Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'Auxerrois, à la transformation de l'Auxerrois, son développement, ses projets, ses ambitions. Avec nous sur le plateau, Cressant Marot. Merci de nous accueillir un peu comme ça dans votre ville. Vous êtes maire d'Auxerre, vous êtes président de l'agglomération d'Auxerre qui regroupe combien de communes ? 29 communes et 70 000 habitants. 70 000 habitants. Que vous drivez. C'est pas facile de driver 29 communes comme ça qui ont parfois des intérêts divergents. On essaye de coordonner l'action de tous ces élus pour qu'on redynamise le territoire de l'Auxerrois. En tout cas, c'est la thématique de la soirée. Alors merci de vous prêter à cet exercice, d'avoir accepté du moins d'y participer. Un petit mot pour commencer, pour vous dire que je suis très touché que vous m'ayez demandé de remplacer Jean-Pierre Pernaut qui lui a quelques soucis de santé. Alors Jean-Pierre, si tu nous écoutes, et je suis sûr que tu vas nous écouter et tu vas nous regarder, eh bien nous savons que tu as cette passion de la France profonde. Je vais essayer d'être humblement à la hauteur de cette passion. Je crois que vous le connaissiez, vous le connaissez. Non, je connais Jean-Pierre, donc je sais qu'il nous regarde ce soir, donc je voulais lui passer un petit message en lui disant qu'on était de tout cœur avec lui et qu'on a hâte, bien sûr, de le recevoir à Auxerre. Et je sais que c'est un battant et qu'il va vaincre ce combat qui lutte contre la maladie. Alors, c'est une édition spéciale d'un journal particulier, puisqu'il doit donner les nouvelles de cette région, de nouvelles de cette agglomération, de cette ville. Et en tête de ces nouvelles, à la une de ces nouvelles, eh bien, nous avons choisi de donner un coup d'éclairage sur une réalisation qui intéresse tout le monde, c'est le contournement sud-Auxerre qui va permettre de dévier tous les camions du centre-ville d'Auxerre. Vous libérez le centre-ville. Alors on va en parler dans un instant, mais auparavant, je voudrais que vous regardiez ce dont il s'agit, avec ce reportage réalisé par Olivier Vassé qui va un peu jouer le rôle de fil rouge pendant toute cette édition pour nous emmener dans les différents endroits, les différents coins, les différents lieux de cette ville. On regarde ce qui se passe justement avec ces camions qui vont être dorénavant détournés du centre-ville. Cela faisait plus de 20 ans que le projet de contournement sud d'Auxerre était évoqué sans jamais avancer, faute de financement. Et puis en novembre 2021, les acteurs institutionnels se sont mis d'accord autour d'un plan de financement de 129 millions d'euros qui va permettre de pouvoir réaliser enfin ce grand projet structurant. La situation actuelle des flux véhicules et principalement poids lourds qui traversent Auxerre, en venant du nord, pour les véhicules qui sont principalement des poids lourds et qui doivent traverser Auxerre par les boulevards pour rejoindre les destinations de Clamecy, Nevers ou la route de Toucy. Nous avons aussi les flux qui sortent de l'autoroute Auxerre Sud et qui nous permettent qui traversent l'agglomération auxerroise par les boulevards Volabel pour rejoindre la route de Clamecy et la route de Toucy, et les flux qui viennent du nord et des pays de l'Est, qui sont pourvoyeurs de nombreux véhicules poids lourds, qui eux traversent Auxerre à travers les mêmes boulevards pour rejoindre des destinations Nevers et Bourges. Les conséquences vont évidemment être très positives pour les habitants d'Auxerre, notamment dans le quartier d'Unan, qui subissent depuis toujours bruit et pollution. Une situation qui évidemment réjouit l'association Arti, qui lutte depuis des années pour la réalisation de ce contournement. Cette rocade, ça va être vraiment une vraie satisfaction. Nous sommes ici au cœur du triangle infernal, où il passe 8000 voitures par jour et 1000 camions, et la situation par moment est cataclysmique et invivable. Donc là, c'est un cadeau de Noël pour nous. Tous nos élus sont mis d'accord pour réaliser ce projet. Donc nous sommes vraiment très très contents. Pour limiter un peu plus le trafic de transit, un projet de troisième échangeur autoroutier est également en discussion. 12 000 véhicules par jour traversent ce hameau de Jonches. Et sur ces 12 000 véhicules, il y a donc environ 1 400 poids lourds qui traversent uniquement en transit.
suite sur l'agglomération auxerroise. Et tout ce flux arrive d'où ? Alors ce flux arrive principalement de Troyes. Et quelles solutions pourraient être envisagées pour endiguer ce trafic ? Notre objectif est de trouver un accord avec la PRR pour créer un troisième échangeur qui pourrait être édifié vers Kronospan, c'est-à-dire entre la sortie, le péage de Moneto à Auxerre Nord et la sortie d'Auxerre Sud à Venoy. Fini les nuisances sonores, la pollution et également l'accidentologie sur ce tronçon. Le prochain objectif de la collectivité sera en effet d'améliorer la sécurité du passage à niveau de Jonche, qui est considéré comme l'un des plus dangereux de France. Alors, Christian Marot, on a vu que ça va quand même bouleverser beaucoup d'activités. Mais avant d'en parler, j'avais une question, n'y voyez aucune taquinerie. Comment se fait-il que vous ayez réussi à débloquer un projet qui était en gestation depuis 20 ans, qui dormait dans les placards administratifs depuis 20 ans ? Depuis 20 ans, vous vous rendez compte ? Donc, on a beaucoup de chance, il y a eu l'alignement des planètes. Donc, il y a vraiment une volonté collective de tous les partenaires de vouloir faire aboutir ce projet de direction sud dont on discute depuis plus de 20 ans. Donc là, vraiment, il y a une concertation, une coordination sous l'impulsion du préfet de Lyon, Henri Prévost. Donc on a pu se mettre autour de la table, on a pu se parler, on a pu lever les freins pour terminer ce tour de table et enfin mettre le mot « go » sur le projet déviation sud de l'Auxerrois. Sans rapport avec la proximité d'une élection présidentielle ? Absolument pas, parce que... Parfois, ça précipite un peu les événements. Hein. Je pense que c'est plus dans le cadre du plan de relance où, effectivement, l'État a pu contribuer à déverrouiller le plan de financement. Donc, ça veut dire qu'Auxerre est interdite aux camions. Le centre-ville d'Auxerre est interdit aux camions. Alors, je ne sais pas si le centre-ville sera interdit, parce qu'on espère faire plein de projets, donc il y aura plein de chantiers, donc il y aura peut-être plein de grues et plein de camions. Non, puis il y a des magasins qu'il va falloir continuer d'approvisionner. C'est un enjeu aussi, il va falloir essayer de rationaliser les flux. Non, c'est le transit qui est... C'est surtout le transit, c'est plus de 2000 véhicules jour qu'on va essayer de détourner du centre-ville. C'est des véhicules qui n'ont absolument rien à faire dans l'hypercentre d'Auxerre. Donc on va les détourner, on va revoir le plan de circulation à l'échelle de l'agglomération pour pouvoir libérer des espaces et redonner un petit peu de souffle et de qualité de vie. Oui, ça va donc modifier le plan de circulation et les déplacements dans le centre-ville, tout ça. Oui, donc on va vraiment pouvoir développer d'autres alternatives en termes de mobilité. On va parler de multimodalité, on va parler de requalification des espaces publics, de rationalisation des parkings. Donc il y a vraiment une volonté de se réapproprier l'espace public dans le centre-ville d'Auxerre qu'on ne pouvait pas faire à cause de ce flux de transit. Cela dit, il y en a beaucoup, ceux qui comptent notamment le gaz carbonique émis, que vous déplacez le problème. Donc non, justement, on ne déplace pas le problème, justement, on prépare l'avenir. Donc la pollution, c'est un faux problème. À l'échéance 2040, il n'y aura plus de mobilité, donc toute la mobilité sera décarbonée, même les poids lourds. Donc la pollution, c'est un épiphénomène. Par contre, vraiment, on anticipe, on ouvre des perspectives qui n'étaient pas envisageables. Je pense au troisième échangeur sur la route de Troyes. Donc on va ouvrir des discussions avec APRR. Et là aussi, va délester le transit. Mais surtout, la SNCF a un point noir, c'est le PN19. C'est vraiment un des passages à niveau le plus dangereux de France. Donc déjà, de pouvoir détourner une partie des flux poids lourds sur ce PN, ça va déjà améliorer la sécurité et ça facilitera certainement d'autres aménagements futurs pour supprimer ce PN qui est très dangereux. Mais où ça en est très précisément ces projets, à la fois l'échangeur et puis l'histoire du passage à niveau ? Donc là, le passage à niveau, il y avait déjà une initiative, mais ce n'est pas possible de transférer des flux de circulation sur un axe qui est déjà très emprunté. Donc vraiment, c'est une vraie complémentarité entre la déviation sud, l'échangeur est sur la route de Troyes, qui permettrait déjà de délester ce flux de poids lourds pour ensuite essayer de traiter le flux de voitures. Donc vraiment, c'est une histoire de rationaliser, de détourner les flux pour essayer de trouver des aménagements dans une volonté aussi d'efficience en termes de dépenses publiques, parce que je rappelle, la déviation sud, c'est 129 millions d'euros qu'on a cofinancé entre l'État, la région, le département, la ville et l'agglomération. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc il faut vraiment qu'on en tire le plus de bénéfices possible.